Alors, comment c'était l'Europe? Oh, toujours pareil. Il n'y a que la France qui a un peu changé. Elle ne nous fait plus la gueule. J'espérais que tu aurais deux petites heures à m'accorder. J'aurais voulu te parler de quelque chose. Chérie, dans deux heures, je serai déjà à mi-vol vers Los Angeles. Le PDG a fait savoir qu'il attend ses rapports avec impatience. Mais moi, je sais faire des merveilles en 30 minutes. Je n'en suis pas aussi certaine. Bon, dans ce cas, attendons de nous revoir ce soir. Sur quel vol es-tu? Sur l'avion balai des poivrons. Alain, fais un effort. Reviens par le même vol que moi. Si, j'aurai fini mon boulot quand tu arriveras. Et moi qui pensais qu'on pourrait avoir notre grande discussion tout de suite. Tu sais, je n'ai pas eu l'impression que tu voulais qu'on discute il y a deux secondes. Tu ramènes encore ce vieux truc sur le tapis. C'est comme ça que tu le considères. Écoute, ma chérie, pourquoi presses-tu les choses comme ça? Tu presses les choses? Je te rappelle tout de même que le vieux truc dure depuis 6 ans déjà. Je suis peut-être fatiguée de ce provisoire qui s'éternise. Écoute, Nancy, je dispose tout au plus d'une demi-heure. Tu ne veux pas qu'on reparle de ça à Los Angeles? Ne loupe pas ton avion, Murdoch. Il ne faut pas que tu fasses poireauter ton PDG. Mais...